Salut tout le monde, c'est Superflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est pas bien. On se retrouve sur une vidéo découverte donc sur le jeu Hockey, donc il est sorti en 2015, donc l'année dernière. Donc je l'ai acheté parce que j'adore vraiment le jeu d'Hockey. J'espère que ça va pas bugger, j'espère que ça va pas faire des écrans verts. J'ai un peu modifié les paramètres parce que j'ai vu sur des vidéos ça buguait. Vous m'avez dit dans certaines vidéos que ça buguait un peu. Du coup voilà, donc j'ai fait les réglages, j'ai essayé de régler, j'ai supprimé des choses sur mon PC, donc je sais pas si ça vient du PC ou pas, je sais pas si ça vient de la qualité que j'avais fait ou pas sur les autres vidéos, donc vraiment désolé si ça bug un peu, je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez pas ça fait ça, bah dites-moi le. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est une vidéo découverte, donc le jeu d'Hockey 2015. Moi j'adore vraiment le hockey, donc si vous adorez, bah dites-moi le, ça change un peu. Vous allez me dire, ouais mais il y a le nouveau qui est sorti, on est en 2016, tu fais des vidéos en 2015, je m'en bats les cacahuètes. C'est une vidéo gaming, donc je fais des vidéos, je m'en fous. La date du jeu, il peut avoir 2 ans, 3, 10 ans, 10 ans, 1 mois, je m'en fous. C'est juste que voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ouais, les vidéos, le jeu, les dernières, oui, je sais, et à l'heure. Donc du coup, voilà, j'espère que je vais pas mal me débrouiller. Je l'ai acheté le 31 décembre, mais depuis, je l'ai pas encore testé, donc du coup, voilà. Donc c'est parti, on va faire juste un match, on va faire un match, débuter un match rapide hors en ligne. Voilà, quand tu le mode de jeu, quel que est le plus joué match. On va faire ça immédiat. Je connais pas trop, voilà. Est-ce qu'on peut choisir les équipes? Rejoindre. Est-ce que je peux choisir ou pas? Oui, je peux choisir. Donc moi je connais pas trop non plus les équipes, donc du coup voilà, on va regarder un peu. Il y a plein de choses, il y a des équipes que moi je connais pas, bien sûr c'est des trucs canadiens je pense. D'accord, ils ont pratiquement tous les mêmes, alors je sais pas comment ça pour revenir normalement. Attendez, on va revenir en arrière parce que c'est les mêmes logos, voilà. Donc moi je connais pas trop non plus le donc les tigres, je connais pas trop les équipes. Voilà, j'ai juste des matchs comme ça. Moi, plus facilement, je connais les équipes de France, de chez nous, comme Rouen, qui ont gagné. Donc voilà, je connais plus les Dragons de Rouen, parce que, bah, logique, c'est de Rouen, hein, je suis de Rouen, donc du coup, j'ai été les voir, et c'est vraiment un bon match. Donc, je vous conseille, si vous avez jamais vu un match de hockey, c'est pas parce que moi, j'ai été voir un match de hockey que j'ai aimé, c'est bien, mais un conseil, si vous voulez voir, si vous devez aller voir un match, allez voir un match de hockey, et vous allez voir, c'est vraiment cool, c'est vraiment funny. Et après voilà, il faut vraiment aimer. Moi je prends les... On va regarder les attaques, j'ai pas regardé en dessous en fait. On va prendre une bonne équipe avec des attaques. Un peu de... Ouais, y a que ça, y a pas... Les Américains... J'avais vu des vidéos que on avait... New York je crois, je sais pas. Donc je sais pas qu'on fait. Attendez. Je pense que c'est en choisissant des équipes qu'on trouve. J'ai pas fait une vidéo non plus qui se trouve. Là je pense que c'est là-dedans. Voilà, il y a plusieurs groupes en fait, voilà. Donc il y a les types de gros groupes. Donc là on avait New York. Il y a assez de groupes des New York là-dedans en fait. Moi je vais prendre les Los Angeles domicile. On a joué à domicile. Contre les Américains, attendez, tenez, on va faire ça. Ben, on est dedans, je pense. Là, attends. Hop là, on va faire contre eux, New York. Bien sûr, extérieur, domicile, deuxième domicile, extérieur, domicile, domicile. On va mettre extérieur. Donc, nous, on va être en noir et eux en blanc. Les paramètres du jeu, je connais pas vraiment le jeu, donc du coup je vais pas faire trop de réglages non plus. Mode gardien, paramètres manette, voilà, jouabilité. Donc si vous connaissez le jeu, bah dites-moi là en commentaire si vous l'avez déjà fait. Bah, il est sur Xbox One, PS4, PS3 et Xbox 360. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, donc rattrapez-moi si je dis des bêtises. Parce que j'ai pas la liste en tête, j'avais vu. Il n'y a pas commenté en. Je sais pas si on peut envoyer des vibrations. Je sais pas s'il y en a. Donc début du match. J'espère vraiment que vous avez kiffé.
Si vous voulez voir d'autres équipes, d'autres matchs, ou faire des tournois, je ne sais pas, on regardera ça un peu plus tard. Je voulais faire ça vite fait, faire une vidéo tranquillement avec vous. Donc si vous avez d'autres des équipes à me proposer, allez-y, bien sûr. Pour l'instant, comme vous le savez, je ne peux pas jouer en ligne, mais rapidement, je vais me débrouiller pour me retrouver un code PSN pour jouer en ligne de Xbox Live, donc pour la PSN. Donc je me tais, je vais baisser un peu sur les images. Donc du coup, ouais, ça y est, le match va commencer. Donc nous, on est en noir contre les Américains. Donc je connais pas trop le match. Je sais qu'il faut marquer, bien sûr, mais je connais pas trop les touches. Donc du coup, je vais me débrouiller. Vous inquiétez pas si je perds ou si voilà, si je gagne, tant mieux. J'espère que ça vraiment, il n'y a pas de bug avec ma vidéo parce que je suis en train de regarder en même temps sur le PC et je vois que ça rame un peu. Donc du coup, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'écran vert avec la vidéo ou pas. J'ai appris qu'on peut se battre comme les vrais matchs de hockey, donc ça sera vraiment cool si on peut se battre pendant les vidéos. Donc j'espère bien. Ouais, on a marqué un but, donc c'est cool, j'ai réussi à marquer un but. C'est super. Lui, il avait un truc bizarre sur la tête. Juste, hein. Donc je vais vous montrer le petit but que j'ai mis. C'est vraiment funny comme jeu, moi j'adore vraiment mon nom de hockey. En face avec mon frère, on va avoir 2-3 matchs de l'équipe de Rouen. Ce week-end, ce sera plus facile qu'en semaine, bien sûr. Mais comme vous le savez, vous avez peut-être vu, ou je sais pas, ce week-end, il y a eu un match Rouen, je ne sais plus qui, Strasbourg, je crois. Attendez. Je sais pas c'est quoi ça de touche, bref. Il y a eu un match, donc Rouen avait gagné 4-2 Paris. Donc ils sont champions, ils ont eu la Coupe de France. Voilà, c'est super cool de Rouen, ils sont super bons comme joueurs. Bon, bien sûr, les joueurs de hockey, bah, ils sont tous entraînés au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ah, j'ai marqué un but. Ok. Il y a beaucoup de... Ça va, c'est vraiment cool en fait, simple à marquer. Il y a vraiment des... Comment ça s'appelle? Les joueurs de l'équipe de Rouen, c'est en fait, il y a, je crois, il y a 2-3 Français dedans, donc les Dragons de Rouen. Putain, c'est simple de marquer les buts. En fait, c'est B pour tirer, en fait, dire but. Non, 3-0. Pas un souci dans le paramètre. Ouais, l'équipe de Rouen, je vous disais, les Dragons, en fait, tous les joueurs, pratiquement, ils viennent de Canada. Pourquoi? Parce que mon frère, en fait, m'expliquait que tous les joueurs, en fait, sont recrutés là-bas parce qu'ils sont difficultés à recruter. Ah voilà, pro, assistant, superstar. On va mettre pro. On va voir après ça va changer ou quoi. Si c'est plus simple ou pas. Si c'est plus simple, bah, je remettrai. Ou je laisserai comme ça ou je le mettrai un peu avant. Ouais, mon frère il me dit que tous les joueurs en fait venaient du Canada parce que bah, c'est là où ils sont entraînés, c'est où ils sont formés les joueurs. Pourquoi? Parce que bah, au Canada c'est où ils ont gagné, ils sont champions de hockey. Donc voilà, mon frère il me l'a dit ça, mais je savais pas du tout que les joueurs venaient du Canada. Moi je pensais qu'ils étaient français, il y a 2-3 français de loin. La plupart du temps, bah là, bon, ils ont recruté, les Dragons de Rouen, ils ont recruté un nouveau joueur qui vient du Canada. Donc voilà, c'est pas. C'est vraiment cool, moi j'adore vraiment le hockey. Grâce à mon frère, quand j'étais voir le match, j'avais fait une vidéo dessus. C'était Rouen-Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est des bouts. Bien. Voilà, on récupère le palais. C'est dommage, c'est pas comme au vrai hockey, parce que le gardien, quand il a la balle, le palais dans sa main, parce qu'il a un grand espoir pour récupérer le palais. C'est dommage que c'est pas l'arbitre qui vient le chercher.
directement là c'est parce que c'est le joueur par exemple le gardien qui va le rendre, à la base c'est l'arbitre qui va venir prendre le palier dans la main du gardien. Après voilà oui, il a un gant spécial, vous avez vu je pense, il a un gant spécial ou le palier dedans, et en principe c'est le gardien qui l'arbitre qui doit reprendre le gant, le palier plutôt, mais là ils font pas, donc je sais pas, c'est un peu dommage. Et c'est un peu dommage ouais, aussi qu'ils n'ont pas mis des coups français dedans. Ça a été assez funny je pense, et ça a été assez drôle d'avoir des clubs français comme bah, les Dragons, Bordeaux, Dijon, les grands clubs de France bien sûr, de hockey, l'équipe de France aussi, ça sera pas mal, mais c'est dommage. Et voilà. Donc voilà, je conseille si vous voulez voir un match de hockey, bah, allez-y, c'est vraiment cool. Le jeu pareil il est vraiment cool, j'ai un 2016, je l'ai pas acheté parce que bah, il est un peu cher. J'ai cru les 2015 parce que je l'ai pas payé vraiment cher. Je sais pas si on peut se battre. J'ai vu sur des vidéos qu'on pouvait se battre. Oui on va se taper, regardez. En plein vidéo en plus. Ah faut mettre KO je crois le joueur à côté. Bah si c'est pas déjà fait. Ok bah sur A en fait, il faut faire A pour taper la personne. Donc voilà, les joueurs sont contents, les supporters sont contents parce qu'on s'est tapé. Regardez. Hop, il est une émute entre deux joueurs. Bim. C'est du catch les gars. Et c'est pas le hockey, allez voir un match du catch. Voilà, vous avez le hockey. Moi comme on m'avait dit ça, on m'a dit ouais bah quand j'ai appris que j'allais avoir un match hockey, on fait bah tu vois, c'est vraiment cool, c'est baston plus match de hockey. Je suis là, bon, on m'a fait ouais bah ils ont pas tort en fait. Même nous comme ça quand j'étais voir le match en Bordeaux. Pareil, il y avait un joueur qui était en sang de chez les boxers Bordeaux. Et bon, il a fait la bagarre, mais pareil, c'est drôle quand il y a la bagarre, tout. Les supporters sont contents et tout. Donc là, c'est un peu plus dur, j'ai changé un peu. Ah merde, oh l'autre, il est tombé. Et je voulais taper, et des fois, en fait, il tape pas. Donc, ça, il y a trois parties. Donc, si vous le savez pas, ça me fait un peu comme au basket. Il y a trois mi-temps. Là, on est à la deuxième période. Ça fait déjà 3 à 1 plutôt. Oh, il est beau celui-là. Il était beau. En fait, ça change rien de changer, mais il est magnifique celui-là. En fait, il dit des fois si on a marqué. J'ai vu des vidéos qu'on ça marque combien de joueurs il a marqué. Combien de buts a marqué ce joueur. Donc, c'est simple pour le but. Et magnifique. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, voilà c'est plus votre premier but finalement. Assistant, si cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous plaît, pas de critique s'il vous plaît, parce que le jeu même s'il est sorti il y a un an, on s'en fout un peu, on n'est pas là pour critiquer, on regarde les vidéos, ça me fera super plaisir, que vous, bah, j'espère que vous avez passé des bons moments, ça change un peu de GTA, m'avait demandé de changer un peu de GTA, donc je l'ai fait. J'aime le sport, j'aime le hockey, donc FIFA 2015, vous aussi en vidéo. Vous avez des personnes qui ont FIFA 2015, je sais, vous allez vous dire en FIFA 2016, en 2016, donc tu peux acheter le FIFA 2016, mais pour l'instant je suis en 2015, donc voilà. Il y a aussi le 5 grade que j'ai eu avec la Xbox One, pareil, il est sorti l'année dernière, mais je vais faire en vidéo, j'ai pas beaucoup avancé dessus, donc du coup, dites-moi là en commentaire aussi. Voilà, je connais votre certaines personnes qui fassent des critiques en disant ouais il y a des nouveaux qui sont sortis, mais tout le monde n'a pas les moyens, j'ai envie de vous dire. Voilà, moi je sais pas encore, j'ai pas les moyens de mettre des tonnes de jeux. Je garde un coup de muscle pour ma voiture parce que bah voilà, parce que j'attends pour passer l'examen de conduite. Je conduis toujours mais c'est tout. Voilà, encore baston. On va essayer de mettre des KO. Et j'ai enlevé son casque. Oh il est chaud lui. Allez bat toi viens. Pourquoi il se bat pas? Ah d'accord c'était B. Merde j'appuie sur A moi. Non allez. Non il me l'a mis KO. Eh moi j'ai tapé sur A c'est pour ça. Bon c'est con il n'y a pas du son. Il n'y a pas du son qui coule. J'ai en fait tout le monde revient, personne fait rien, il n'y a pas. Personne ne fait rien, personne ne va les voir. Non, arrêtez, il n'y a personne qui bouge. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais. Voilà, c'est bon, je suis bon, je veux dire.
Dites-moi en commentaire si vous adorez le hockey, quel sport vous adorez le plus, le foot, le hockey. Moi j'adore maintenant le hockey. J'ai vraiment envie de dire, je kiffe vraiment le hockey. Là je sais que ce week-end donc, il y a eu le match d'hockey dimanche dernier. J'ai regardé le match, c'était sur l'équipe 21. J'ai regardé le match, j'adore vraiment le hockey. J'étais avec ma copine, on a regardé la Miss Superplan, on a regardé le match. Même si elle n'est pas trop fan de hockey, même de sport, elle n'est pas trop fan. Mais moi j'adore vraiment le hockey, donc voilà. Allez, but 5 ans. C'est bien, dès qu'on marque un but, il y a une petite musique funny dessus. Je dis toujours funny, mais je sais pas pourquoi, il y a toujours la musique. Pourquoi je dis funny, je ne sais pas, je ne suis bête. Non, j'ai... hop là, allez, on y va. Oh putain, il est bon. Vas-y, baston. Allez. Allez, regardez, ça part en émeute partout, là. Oh là, je trouve qu'ils allaient se taper dessus. En fait, je l'ai repoussé, dès que tu appuies sur les deux, tu pousses les deux anneaux, ils se poussent, en fait, ils se pouillent. Je ne sais pas si j'ai vu ou pas, j'ai pas regardé ça. Non, pas changer de vue, c'est un peu dommage qu'on peut pas se mettre à la vue de la personne pour mieux jouer. Hop là, hier les. Tu veux la balle, les balles, tu vois, le palais plutôt. Ce n'est pas une balle, c'est un palais. En plus, juste pour parler du palais, c'est vraiment cool quand tu vas voir un match hockey parce que en fait. Dès qu'il y a des joueurs qui tirent le palais au dehors du stade, bah tu peux le garder en fait lui. C'est vraiment cool. J'allais dire funny mais ça me saoule. C'est vraiment assez cool de la part des gens pour regarder. Parce qu'il y a des matchs, par exemple tu vas voir un jeu de foot, t'as gardé le ballon. Je ne suppose, après j'ai déjà vu à la télé que les joueurs les supporters gardaient le ballon. Après il y a certains endroits où tu peux pas garder le ballon. Donc voilà, mais c'est bien, vraiment on peut garder le palier. C'est vraiment cool, vraiment, ça fait un petit souvenir. Par contre, si vous allez voir un match hockey, faites gaffe que ça vous tombe pas sur la gueule parce que ça fait mal. Parce que nous, on était voir le match hockey rond Bordeaux. Il y a un palier qui est passé par-dessus la. Nous, heureusement, il y avait un filet au-dessus. Sinon, on se prenait le palier au la gueule. C'est un couple qui l'en range du palier. Mais nous, on était juste devant. Le palier, on l'a vu partir. Mais on l'a pas vu. Et en fait, bah, au dernier moment, en fait, il est passé devant nous. On a eu de la chance, sinon on aura plus le problème. En plus, ça c'est lourd et c'est bon. Donc, si on se rend la gueule, bah, je pense que c'est par devant des dégâts et c'est peut-être rien. Faites vraiment gaffe. Et c'est vraiment dangereux un palais quand même. C'est comme un ballon de foot qui part très vite ou une balle de baseball. N'importe quoi. C'est comme des gens qui vont voir des voitures, des courses de voitures qui sont au bord de l'an, super dangereux. Donc, faites gaffe si vous allez voir un sport qui est super dangereux. Restez pas. De toute façon, les vitres, même les vitres, ça passe au-dessus. Donc, c'est ça. Ah, je peux vous montrer que ça tire en haut. Bon. Je vais vous montrer après si on peut tirer le bon. Je vais voir la puissance que ça fait. Je crois que le palais sort du stade. Mais c'est bien, je fais un palais. En fait, je clique sur le bout. Oh là. Bon, ils ont marqué un but aux 3e minute. Deux buts. Bon, c'est pas fini, ça peut rattraper. Hein. Je vais vous montrer quand même, si je veux bien me déplacer, si je sortir de me comme ça. Ouais, vous avez vu comment il est tiré comme un malaise. Mon malaise, non, c'est pas ça. Je vais le faire B. Putain. Donc là, ouais, c'est poussé vraiment pour tu pas le voler et le marquer. Après, je pense que vous êtes pas bête, vous connaissez toutes les règles. Bon, ça fait pas. Voilà, vous avez vu la vitesse que ça peut. Hein. Vous voyez, c'est le mec qui tire souvent, vous le prenez dans la gueule. Mais tu repars avec un palais dans les poches. C'est pas le souvenir de la patinoire, hein. Du match hockey. Allez, basse, même pas. Mise hors jeu. Je sais que des fois, on peut sortir le gardien. Ils peuvent sacrifier le gardien comme ils ont fait au Rouen Bordeaux. Mais je sais pas si nous on peut le faire. Ça doit être vraiment cool de sacrifier le carton des gardiens pour marquer plus facilement. Bah comme ils ont fait dimanche Rouen, je sais plus si c'était Rouen Strasbourg. Oh non, je sais plus. Grenoble, je crois ouais c'était Rouen Grenoble, j'ai mis un match sur l'équipe 21, je vous disais. Et Grenoble, ils ont sacrifié le gardien. Et du coup ils ont marqué plus facilement l'équipe de Rouen.
Le dragon. Donc j'espère qu'il n'y a vraiment pas de soucis de bug avec l'écran vert qui s'est fait sur la vidéo. Parce qu'il y a vraiment un souci. Rappelez-vous, ça faisait un écran vert, donc j'espère que ça va pas leur faire. Donc je sais si ça vous fait un écran vert les gens. Parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais je veux dire, vous dire, je suis vraiment désolé. On est bientôt arrivé à la fin de la période. Donc c'est assez long quand même. En vrai, même en jeu. Allez, but! J'ai remarqué un petit but. 7-2. Et lui, ça fait deux fois qu'il marque déjà. Justin. Ouais, c'est ça, c'est deux buts. Je savais qu'il avait marqué deux buts. J'avais vu tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Vous avez rien entendu, c'est très bien. Oh merde, pourquoi j'ai tiré comme ça, moi? Ouais, bah c'est bien, je vois que tu vas pas aller. Hop là, hop là, hop là. Oh, je crois qu'il était rentré. Merde, je vais le tirer. Quel con. Des fois, c'est rien, il y a un petit décalage, donc quand tu tires, le joueur ne veut pas tirer, j'ai vu ça depuis longtemps. C'est mes talents un petit peu. Oh merde. Hop là, vous touchez pas mon pied, je m'en vais, tu l'auras pas. Merde, j'essaie de tirer dedans, mais c'est chaud. En fait, ah, c'est pour changer de personnage. Hop là, petit bidoumic. C'est cool ça. J'ai trouvé une technique pour le faire tomber plus facilement. Merde, putain, pourquoi j'ai... Voilà, on peut se shooter dans les fils du joueur. Mais comment t'as le bon joueur? Oh les, j'ai dégagé lui. Donc c'est la fin. Et voilà, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Ciao, bye bye, allez, salut.